Bonjour les amis, on va faire un petit tour dans le jardin, tout en sachant qu'il pleut depuis maintenant, je ne sais pas, 10 jours. J'ai planté 3 arbres. Bon, je sais que j'aurais dû mettre normalement des tuteurs, mais je l'ai vu après, donc peut-être que j'en mettrai par après. On va aller voir un petit peu parce que il pleut depuis plusieurs jours et c'est la cata. Ce matin c'était la cata. Niveau eau, il y a fait de l'eau partout. Donc c'est... Ah oui, d'accord. C'est vraiment l'inondation, hein. On est vraiment presque inondé. Le jardin est vachement. Elle n'arrive plus à absorber, vraiment. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je n'ai pas j'ai pas de micro. Alors ici j'ai mis l'ail des ours entre de l'ail normal. Donc on va voir si ça ressort ou pas. Ça, mon ail apparemment n'est pas trop dans l'eau, donc ça va, ça sort. Regardez. Ici je vais semer mon ail. Ça va, j'espère qu'il n'y a pas de pluie parce que là, entre la pluie et le vent, bon, heureusement le vent ça sèche un petit peu normalement, donc, mais là, franchement, regardez, c'est vraiment. Regardez. Oh là là, tout est sous eau ici, regardez. Vraiment sous eau, tout est sous eau. Le problème c'est que la vieille est faible, les petits pois, je pense que ça va être fait. Je suis bien sur 10 cm d'eau. Regardez, je vais essayer de montrer. Les poules, c'est pas mieux, hein. Bon, il en reste que 3, hein. Je crois que ça va, heureusement il ne reste plus que 3. Mais elles sont aussi sous eau. Waouh, c'est impressionnant. Regardez. C'est vraiment impressionnant de voir son jardin comme ça. Je l'avais jamais vu comme ça, c'est la première fois. C'est vraiment la cata. Tout est vraiment sous eau. Incroyable. Bah, vous comprendrez bien qu'il n'y aura pas beaucoup de culture pour l'instant dans le jardin. Donc aujourd'hui je devais faire vraiment le challenge du slip, mais vous comprendrez bien que je vais le porter quelques jours. Hein. Moi je m'enfonce, c'est un truc de fou. Il y a ma canne normalement qui couvre un peu, donc j'espère qu'elle va faire un bébé ou deux. Oh là, c'est vraiment le cata. Je vais tout essayer de m'aventurer là-bas. Ici. Waouh. Je vais rentrer un truc de fou. Ah ouais, là j'ai vraiment 30 mètres de cata. Je vais réussir à en mettre en dessous de la botte. Ah, ça c'est le cata. Les fèves, ça va être foutu cette année-ci. Hein. Je pense qu'elles vont pourrir avec toute cette eau. Avec tout le temps qu'on a cette eau, je pense qu'elle va pourrir. Les petits pois aussi, je pense. Peut-être dans le fond. Ah bah dans le fond, peut-être que ça sera peut-être sauver les petits pois, mais sinon, c'est la cata. Bon ben voilà.
faire, rien à dire. Il faut juste patienter maintenant hein, que les tours deviennent normales. Voilà les amis, c'était juste pour ça que je faisais la petite vidéo, juste pour vous montrer un peu l'état du jardin potager qui est sous eau. Voilà, inondation.